Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de l'ouverture de mes petits cadeaux que vous m'avez offert lors du Get Beauty il y a quelques temps maintenant. Donc je vous ai déjà fait la partie 1, si vous ne l'avez pas vue je vous la mettrai en barre d'infos juste là ou à la fin de la vidéo, je sais pas trop. Et du coup aujourd'hui j'avais un petit peu de temps, bon il commence un petit peu, le soleil commence un peu à partir, c'est pour ça que je suis un peu orange j'ai l'impression. Mais je me suis dit pourquoi pas filmer la partie numéro 2 parce que voilà vous y êtes énormément et je me suis dit faut absolument que je continue. Mais en fait vous avez ramené tellement de choses, je sais pas comment je vais m'en sortir, pauvre de moi. Non, je dis ça dans le sens où il y a vraiment énormément de choses et j'espère que ça va tenir en deux parties parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc je vais prendre ça déjà pour commencer parce que déjà je sais pas ce qu'il y a dedans mais c'est trop mignon, il y a des petits emballages trop chou. Et c'est quoi ça? Ah, c'est un petit swap Alexia, coucou Alexia, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Donc j'ai bien eu ton petit cadeau et je vais commencer. Bon, il y a ta petite lettre, je vais la... T'es trop mignonne! Je vais la lire quand je serai toute seule. Et donc, numéro 1. Tu en avais parlé dans ta vidéo favori, je crois, et il est tout neutre, sans parabènes et tout et tout. Oui, j'ai bien dit, et tout. Donc c'est quoi le numéro 1? Donc voilà le numéro 1, je sais pas ce que t'as mis dedans, mais j'ai... Je sais pas, j'ai comme une petite idée. En plus, si j'en ai déjà parlé dans mes favoris... Ce serait pas du nature et moi. En tout cas, tes petits emballages, ils sont trop choubidou. Attends, c'est juste que j'arrive pas du tout à les déchirer. J'en étais sûre. Et tu sais quoi, en plus, je me suis dit, faut absolument que j'aille en racheter ou que je demande à ma soeur de m'ordonner parce qu'elle s'est fait un stock de malade quand il y avait les promos, quand je vous l'ai dit. Et c'est génial. Merci beaucoup. Elle m'a mis le shampoing nourrissant nature et moi. Je vous avais fait une routine capillaire en vous parlant de cette marque qui est sans parabènes, sans sulfate. Sans silicone et qui n'est pas testé sur les animaux et qui est fabriqué en France, que vous retrouvez en grande surface et pas du tout cher, je crois que c'est aux alentours de 4 € et ces produits sont géniaux. Numéro 2, mais dis donc, on sait pas trop ce que c'est, on se demandait bien, qu'est-ce que t'as écrit pour le numéro 2? Alors, s'il y a le 1, il y a le 2 pour aller ensemble, bien sûr. Et là, on a la Fresh Shampoing, donc c'est la même gamme. C'est la gamme abricot, donc qui est pour cheveux secs et abîmés, qui est voilà mon cas, surtout au niveau des longueurs et des pointes à cause de mon blond d'avant. Il doit me rester ça hein, à couper normalement, mais j'ai juste pas envie de les couper. Ensuite, numéro 3, une abonnée te lavait et tu avais dit que tu aimais bien l'odeur. Oh, mais dis-moi, t'as mis combien de temps à faire tous ces emballages-là? Franchement, respect quoi, quand vous faites des trucs comme ça. Mona, yes! C'est une crème pour les mains hydratante. Et elle sent trop bon. C'est celle de chez Sephora au Meneuil. Et tu as raison, je l'adore. J'adore l'odeur du Meneuil, surtout en été et tout. J'adore ça. You know me. Numéro 4. Il y a des ananas dessus et j'aime bien l'odeur. J'espère qu'elle te plaira. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pop exotique, gel douche parfumé de chez Yves Rocher. Et ça, c'est la petite gamme que vous m'avez énormément offert lors des derniers meet-up avec une trousse, un petit gel douche et tout. Et il sent super bon, il sent l'été, il sent les fruits exotiques. Ça sent vraiment les cocktails de fruits, quoi. Vraiment. Donc merci beaucoup, ma belle. En plus, il est trop joli, un petit ananas coloré dessus. J'adore. Numéro 5, en format voyage, est testé et approuvé. Tu m'en diras des nouvelles. Ah ah! Eau précieuse, format voyage, testée et approuvée. Alors si t'as testé et approuvé, c'est qu'elle est cool. Numéro 6, ça sent trop bon, j'ai senti le testeur. Hihihi, ton enfance. C'est un parfum ça? Non mais t'es folle, t'as mis combien de trucs? Violette, macaron, les petits plaisirs, oh, t'as adorable, mais t'as mis trop de choses. Je pensais que t'avais mis des petits... T'as mis trop de petits cadeaux. T'es trop mignonne. Ça sent la violette. Vraiment, vraiment trop bon. Merci. Je te fais des gros bisous parce que franchement... Numéro 7. J'avais trop envie de tester, mais c'est mieux que toi. Tu les testes pour les recommander ou les déconseiller à tes ananas. Indice, soin pour le visage. C'est quoi? Alors, vu comme ça, en plus c'est trop mignonne, elle a fait ça avec de la dentelle. J'ai l'impression que ce sont des masques. Des trucs comme ça. Yes, je suis trop forte. Ce sont des masques. Alors la marque, je connais pas du tout. C'est DMP Provence. Masque visage en tissu détox et masque visage en tissu hydratant. Hydrolat de rose apaisant, c'est bien ça, fabrication France. Pose facile à laisser 10 minutes sur le visage, j'adore ce type de masque là. Franchement, décidément, tu me connais vraiment beaucoup et je connais pas du tout. Je sais pas si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais encore une fois, merci ma belle, comme ça je vais pouvoir tester. Tu me fais découvrir trop de choses, c'est trop cool. 8, c'était trop choupi.
C'est la seule excuse que j'ai trouvée. T'es trop mignonne, on dirait moi quand j'essaie de me justifier. Numéro 8, s'ananas. C'est trop mignon, c'est un petit sac avec des ananas. Oh, puis il y a des crayons à papier avec des petits ananas dessus. Les mêmes qui sont là. C'est trop chou. T'es trop mignonne, franchement merci beaucoup. Ça je vais les mettre dans mon petit pot sur mon bureau. Ah, t'es trop mignonne. Bah écoute, j'aurais trouvé la même excuse que toi, c'est trop choupi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Numéro 9, ça fait toujours plaisir et je t'ordonne de les lire en écoutant Say Something. J'ai tout écrit avec mon cœur, c'est la vérité. Ah, 9. Oh, t'es trop mignonne, je t'aime. I love you too, vous êtes trop chou. C'est trop mignon. Mais je vais pas faire ça là parce que je... Mes ananas ressemblent un peu à des carottes. Oh, puis tu m'as mis des mini tic-tac. Franchement, vous êtes adorables. En fait, je me rends compte que bah, derrière vos mots, derrière vos pseudos, vous êtes là, quoi. C'est trop mignon. Merci. Numéro 10. Elle avait écrit, entre-temps, j'ai rajouté 3 cadeaux. On a vu les 3 boîtes de tic-tac. On a vu. Question numéro 10. Je trouve ça hyper pratique et il était trop beau, comme toi. Ça sert à protéger son téléphone. C'est pas une coque. Il n'y avait pas iPhone 6 Plus en coque. Et puis elle a mis en bonhomme, genre pas content. C'est quoi? Attends, il est où le numéro 10? Chez H&M. C'est trop joli. C'est trop mignon. Il y a des paillettes partout. Tu me connais trop. C'est pour protéger. T'es sûre, c'est pas pour mettre ses lunettes? Non! Mon téléphone il rentre pas dedans. Mais je vais forcer le truc. Oh, mon téléphone il rentre pas. Si je le rentre ça va se fermer. Mais t'inquiète pas, je mettrai mes lunettes dedans. Donc je l'utiliserai quoi qu'il en soit. Et c'est trop mignon, merci beaucoup. C'est trop trop joli. Mon téléphone il est trop grand pour tout. Même quand je cherche des coques et tout, j'ai trop du mal à en trouver. Les 6 plus on est exclus. Ensuite numéro 11. Il y avait un ananas dessus et c'est trop choupi. Tu utilises un petit peu trop cette excuse de c'est choupi, hein. On est un peu trop pareil à mon goût. Numéro 11. Qu'est-ce que c'est? C'est trop mignon. C'est un petit collier doré avec un ananas en pendentif. C'est trop chou. Merci mille fois. C'est trop mignon. Attends, je vais le mettre maintenant. J'ai mis le petit bracelet de Nawel que j'ai ouvert dans la vidéo précédente. Franchement, Nawel, si tu passes par là... Je sais même pas comment te dire merci encore une fois parce que c'est trop mignon. Et je vais mettre ton petit collier, Alexia. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra, mais c'est trop mignon. Numéro 12. Il est trop beau. Il m'a tout de suite fait penser à toi. J'espère qu'il t'ira. C'est trop beau. Il est trop joli. Il est trop mignon. Tu sais quoi, je vais le prendre en vacances avec moi. Je te jure, c'est celui que je vais prendre avec moi. Et je vais prendre le top pyjama ananas qu'une abonnée m'a offert dans la partie 1. Je sais pas si vous vous souvenez. Et voilà, franchement, les pyjamas, à chaque fois que je les mets, enfin, vous êtes énormes. Franchement, vous êtes énormes. Et des bonbons. Elle a écrit ça en rouge. Et des bonbons. On a vu les bonbons. Et tu... Ah, à la mamie, les violettes, ton enfance. Moi aussi, ça me rappelle mon enfance, même si je suis encore très jeune. J'avais trop envie de l'ouvrir, j'ai galéré à les trouver. T'es trop chou, franchement t'es trop trop chou. Et je vais en prendre un. Alors, elle m'a mis un cadre, elle a écrit photo de moi que mon père n'a pas imprimé. Elle a mis une tête qui pleure, elle a écrit entre parenthèses, je suis actuellement en train de pleurer. T'es complètement folle, c'est pas possible. Moi je vais faire quoi? Je vais pas accrocher ça sur mon frigo, hein, smiley qui pleure. Le papa là, pourquoi il a pas imprimé la photo? Superbe, adorable, naturelle, attirante, noble, agréable, négociatrice, admirable, sexy, ananas. T'es trop chou. Franchement, ne changez pas quoi. Change jamais, ne change jamais, jamais, jamais. Vous êtes énorme. Ouh, tu m'as gâtée en lettres. Toi, je t'adore. Mais écoute, merci mille fois ma petite Alexia, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Ça m'a énormément touchée et j'ai trop hâte de lire tes petites lettres. Mais de toute façon, sachez que je les lis. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on a un gros sac noir. Coucou ma petite Jade, si tu passes par là. Un petit paquet Sephora. Tu m'as mis un gel antibactérien. Tu sais que je suis fan, mais vous me connaissez trop. C'est pas possible. Et t'as mis la senteur Love et je l'ai. Et ça sent juste trop bon. Alors, merci beaucoup. Et elle m'a mis des petits élastiques. Vous savez les petits élastiques que j'adore, que j'ai toujours au poignet.
Elle m'en a mis. Elle a mis les invisibles. Désolée, j'ai encore la violette dans la bouche, hein, c'est pas poli, mais s'en fiche. Merci, franchement. Ensuite, il y a un autre petit sac. Cette fois-ci, il y a le gel douche Madeleine. Alors, si ça, ça veut pas dire que vous me connaissez, je m'appelle Passana. Et donc, ça, c'est de la part de... C'est de la part de... Dis-moi que tu m'as mis ton prénom. Bisous! Pour moi, tu es la description. Tu me donnes tellement de rêves. Aller à Los Angeles, repartir à New York. Je sais, je n'ai que 11 ans, mais j'y suis déjà allée. Tu es très chanceuse. Merci mille fois. Et j'en ai jamais assez. Je suis une collectionneuse, une passionnée des gels douche d'op. Et vous le savez depuis toujours. Donc franchement, dans ma salle de bain, il y en a 30 000. Mais si je pouvais construire une maison avec, ça me dérangerait pas. Je te fais des gros bisous. Il y a un paquet d'Arlequin. Alors, il n'y a pas de nom. Je sais pas c'est de la part de qui. Hein? Encore un? Ça par contre, ça me dit pas trop de construire une maison avec. Parce que c'est moi qui vais me transformer en maison du coup. Pour Sana, de la part de Justine Déné. Qu'est-ce que tu m'as mis? C'est trop joli. C'est un petit bracelet avec une espèce de perle rose gold. C'est trop trop joli. Attends, je vais le mettre aussi. Et il y a un petit coquillage, je t'aime Sana. Oh, ça c'est trop mignon. Ça c'est trop choupi. Elle m'a mis un petit coquillage et dedans elle m'a mis je t'aime Sana. Oh, je t'aime aussi, c'est trop chou. Ensuite, pour Sana, de la part de Chloé. Bah voyons, quand c'est pas d'op, c'est cottage. Elle m'a mis quoi d'autre? Elle m'a mis, pour Sana, la meilleure youtubeuse de la part d'Eléonore, Get Beauty 2h16. Le 28 mai. Oh, merci beaucoup, Éléonore. Le gel douche exfoliant à l'ananas qui va avec le gel douche que j'ai déjà. Et ça, c'est trop bien. Merci mille fois. Tu m'as mis des petites lettres. Franchement, je vais lire toutes vos lettres. Ensuite, j'ai un autre sac Flavie et... C'est trop chou. Oh, il y a plein de paillettes partout. Chère Sana, autant te dire que la forme de la carte n'est pas très originale. Mais bon, j'adore tes vidéos. J'aime la grande communauté Snap que tu as créée. Enfin, voilà, je t'adore. Si tu as envie de me répondre, j'habite au... Elle m'a mis son adresse, son numéro de téléphone, Marie. C'est trop chou. Franchement, vous êtes adorable, quoi. Encore la bougie! Et dessus, c'est écrit Sana, un grand mot pour toi, Sila. Sananas, 2106, Sananas. C'est trop choupi. Et heureusement que tu me l'as mis à l'intérieur, sinon je t'aurais jamais retrouvé. Plein, plein, plein de petites lettres. De Océane, de la part de Delinda. Eh, je connaissais pas ce prénom, c'est super joli. Tu m'as fait quoi pour la plus belle youtubeuse? Tu nous donnes de bons conseils beauté. Merci de rester toi-même. Je t'aime, Sananas. C'est trop chou. J'ai envie de pleurer, quoi. C'est les dessins que je faisais quand j'étais petite. Je dessinais presque comme toi. Je faisais des grandes robes comme ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon. De la part de Delinda. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Et donc ça, c'est le petit cadre de Marie que j'ai déjà. Je suis trop contente parce que j'adore. C'est trop mignon. C'est un petit ananas blanc. D'ailleurs, je sais pas où vous l'avez acheté. Je crois que c'est Maison du Monde. C'est trop beau. Ensuite, il y a un autre sac juste là. Et à l'intérieur, on a une brosse. Non, c'est pas vrai! Elle m'a trouvé une petite, je sais plus comment, une Tangle teaser de la part de Kelly. Je t'aime, Sana. Moi aussi, je t'aime. Trop mignon. Yeah. Yeah. J'aime trop ces brosses-là et elle est trop belle. Ça y est, c'est ma nouvelle brosse préférée. Alors, dedans, elle m'a mis un... Oh, t'as mis plein de photos. T'as mis plein de petites photos de moi. Tu as un coup de blouse, ouvre-moi. Non, je sens que je vais pleurer. Le concept dans la vie, il faut relativiser car il y aura toujours des hauts et des bas. Et il faut savoir se relever. En grandissant, on apprend que vaut mieux être seul que mal accompagné. Ou il est mieux de s'éloigner des personnes qui nous font souffrir. Être autonome veut dire de savoir vivre sans avoir toujours quelqu'un sous le bras. Dans ce carnet, tu trouveras des citations qui redonnent le sourire. Instant cocooning, fini les sécheresses. J'aime trop. J'aime trop les masques. Masque visage avocat de chez Sephora. Je crois que je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc c'est génial, j'adore. Je les aime trop, ces masques-là. Pour Sana de Justine. Un amour, t'es un amour. Je vais lire après le petit mot. Qu'est-ce que tu m'as mis pour avoir le contour de l'œil hydraté et réveillé? Vous, vous êtes passé le mot. Non, sérieux, vous êtes allées chez Sephora toutes ensemble, en fait. J'aime trop. Franchement, je suis trop fan. Merci, merci, merci. Encore ce matin, je l'ai utilisé. J'aime trop ça. Je le mets dans le frigo le matin. Pendant que je me sers mon petit bol de céréales, je le prends. Je me le passe sous les yeux et ça fait trop du bien. Elle a mis mon gel douche préféré. Mais c'est un swap. On dirait un petit swap. Fleur de vigne. J'adore l'odeur fleur de vigne de chez Caudalie. J'adore, j'adore. Vraiment, je suis fan de cette odeur. Et je connaissais pas du tout le gel douche. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment le frais.
J'ai hâte de me laver avec. Ah mais oui, il y avait un petit menu. Donc c'était un petit swap. Fini les petites sécheresses au contour de l'œil et bonjour le regard de biche, en plus avec une chose si mignonne. Un gel douche qui est super frais, idéal pour les jours d'été. Et le numéro 3, la peau de crocodile, c'est quoi? Et donc c'est ça le numéro 3. Ah je connais. C'est une crème l'Occitane, je crois que c'est celle au beurre de karité. Et effectivement pour les peaux sèches, elle est géniale. Ouais, lait ultra riche au beurre de karité. C'est les petits bonbons. Elle m'a mis des petits bonbons dedans. Numéro 5, ma lettre se trouve dans le carnet. Se trouve dedans, c'est un carnet qui redonne le sourire. T'es adorable, bon snap, je t'aime, PS. Il y a un sixième, c'est un vernis foncé. To bite my nail. C'est un violet, il est trop beau, c'est un violet foncé. Bah merci beaucoup, hein. Franchement tu m'as gâtée. Il y a encore des bonbons. Bah oui. Ah, merci mille fois, je te fais des gros bisous. Mouah. Ensuite il y a un autre sac, à l'intérieur on a une lettre pour la queen des YouTube. Vous êtes trop marrante. Lily, j'ai ta petite lettre. De la part de Lilou, j'ai 12 ans et je t'adore, tu es géniale. Je vous fais des gros bisous, franchement vous êtes adorables. Qu'est-ce que c'est? Juste ananas. Dis donc, ce serait pas un gel douche de la marque Cottage par hasard, qui est plutôt vert? On dirait bien que oui, franchement. J'ai des gels douche pour 30 familles et pour toute une vie. Vous êtes trop choubidou, je vous aime fort fort fort. Il y avait un deuxième emballage. Et dessus, c'est écrit zzz, zzz de quand tu dors. Parfum d'oreiller de Mathilde M. J'adore les parfums d'oreiller de Mathilde M. J'en ai un à la maison, je l'adore. Et ça sent quoi ça? Ah, oh, ça sent bon. Il y a une petite boîte de la part de Lilou pour la meilleure. Il y a des arlequins. Et ça, c'est encore toi? Il y a encore des arlequins? Tu m'as mis deux fois des... Non, c'est pas la même, hein. De la part de Lily. Alors, je sais pas si vous étiez ensemble, mais genre, vous avez un prénom qui se ressemble complètement. Et vous avez fait le même truc. Lily, elle a mis des petits mots dedans. C'est trop chou. Vous êtes trop mignonne. Ensuite, on a un petit sac, encore une fois. Et là, il y a deux choses. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir un gel douche vert. Il y a une petite lettre de la part de Noémie. Pseudo, Noémie se maquille. J'espère que tu adores cette odeur. Moi, je pense que j'adore cette odeur. Je sais pas pourquoi. Et je pense que vous aussi, vous savez que j'aime cette odeur, en fait. Je pense. Le cottage, ananas et crème de coco. En fait, je me rends compte que je vous traumatise quelque part avec l'ananas, la coco, pina colada, tout ça, tout ça. Et elle a mis un autre paquet. Elle a écrit, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à toi et un peu à Julie aussi. Avec un petit bonhomme qui fait un clin d'œil. Oh, c'est trop mignon. Mais t'es folle. Oh non, vous êtes folle. Oh, j'aime pas quand vous dépensez pour moi, vraiment. Quand... C'est une petite pochette Zara, elle est violette et il y a un ananas dessus, elle est trop belle. Elle est genre trop belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Franchement, merci mille fois ma petite Noémie. Elle est canon la pochette. Ça me fait énormément plaisir. Oh, elle est trop belle et tu sais quoi, je vais la prendre en vacances aussi. Et effectivement, c'est la couleur préférée de Julie. Et c'est exactement ce violet-là en plus. C'est fou, quoi. Tu la connais, tu nous connais par cœur. Je te fais plein de bisous. Mouah. Ah non, attends. Il fallait un dernier paquet, bien sûr. Ça te changera un peu des arlequins. Et il y a des ananas. Les Haribo Oasis, il faut vraiment que je les ouvre pour goûter après. Merci beaucoup, ma petite Noémie, sincèrement. C'est adorable, ça me fait trop plaisir. Ensuite, on a un autre paquet. Cette fois-ci, je vois un beau carnet. Oh, il est trop beau ce carnet. Vive les ananas, les arlequins et les cœurs verts. Ananas, on adore tes vidéos, t'es la meilleure. Continue comme ça. Bisous Esther et Kendall. Vous êtes trop mignonne. C'est pas possible quoi. Il est canon, il est pas trop canon. Je sais pas où elles l'ont acheté, sinon je vous aurais donné. J'aime bien vous dire les adresses parce que je sais que parfois vous aimez bien les petits trucs comme ça. Mais là il n'y a pas de nom. Mais je suis trop fan, trop trop fan du petit cahier. À l'intérieur il y a des bonbons, bien sûr. Ce sont les arlequins fizz. Sananas. C'est trop chou. Et vous m'avez mis... C'est quoi? C'est des dessins et des lettres. Ouais, c'est des dessins et des lettres. Je vais les lire tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous les filles. Surtout restez comme vous êtes. Ça me fait trop plaisir. Ça me touche énormément. Et je vais bien déguster les bonbons.
un petit sac Sephora. Et il y a une petite boîte. Donc désolée, là, il y a mes neveux. Donc si depuis tout à l'heure vous entendez des cris, tout, c'est parce que je suis pas du tout toute seule. Je suis pas chez moi en plus. Donc voilà. Et donc à l'intérieur, il y a les petites photos de Alice, Clara et Alexia. Vous êtes trop belles. Vous êtes trop trop belles. Clara, team Snapchat, hein, team addict au filtre. Et du coup là on a Alice et Alexia. Vous êtes trop chou. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous êtes trop mignonne. Il y a une paire de boucles d'oreilles. Elles sont hyper originales, je les trouve trop belles. Je sais pas si on les verra, c'est des petits triangles avec des perles. Elles sont super originales. Et il y en a une deuxième. Oh, ça c'est trop joli, ce genre de boucle d'oreilles avec une queue haute, ça fait canon. Et je les porterai et je vous ferai une petite dédicace dans mes snaps et tout, je vous le promets. Attendez, il faut que je retienne vos prénoms parce que je suis trop nulle en prénom et en date de naissance. Moi, c'est mon problème de la life. Alice, Alexia et Clara. Pour Sana, la meilleure. On a un paquet d'Arlequin. On a encore un bijou à sauce. Il a l'air trop beau ce collier là. Franchement, vous m'avez gâtée. C'est quoi? Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh, vous êtes trop chou. Il est pas trop beau le collier? Il est trop beau. Vous êtes des amours. Franchement, je... Il est trop beau. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Je me sens trop gênée là. Et bien sûr, hein, ça aussi c'était obligatoire. C'est ça. Coucou Sana, je m'appelle Clémence et j'ai 12 ans et je t'adore. Tes vidéos me redonnent le sourire. Bravo pour les 1 million, tu les mérites largement. Continue comme ça Clémence. Je t'offre ces petits cadeaux car je t'aime. Salut Clémence. Oh, en plus ça m'offre des petites brumes Victoria's Secret. Mais pourquoi tu les as pas gardées pour toi? Ça me fait plaisir vraiment, mais Love Spell et Coconut Passion. Coconut Passion c'est ma préférée je crois des brumes Victoria's Secret. Et on a Love Spell et ça sent juste trop bon. T'es chou, t'es adorable. Merci beaucoup ma petite Clémence. Mais en fait c'est surtout quand vous êtes aussi jeune, je veux pas que vous dépensiez pour moi. Je le dis, je le redis et je le... Faites-vous plaisir quoi, je sais qu'avoir de l'argent de poche à cet âge-là c'est pas facile et je suis passée par là aussi, après j'ai fait des petits boulots et tout et je sais que ça vous fait plaisir de m'offrir mais vraiment faites-vous vous plaisir parce que c'est ce qui me fait encore plus plaisir en fait. Et donc elle m'a mis un petit gel Fresh Sparkling Snow de chez Bath & Body Works, elle m'a mis Vampire Blood, je le connaissais pas du tout celui-ci. Elle m'a mis des petits gels douche de chez Sephora, des petites pastilles pour le bain, des petits échantillons, des crèmes et tout. Je te fais des gros bisous. Mouah. Ensuite, il y a un autre paquet. Il n'y a pas de nom. C'était soit la tirelire, soit la bougie. Ah, il y a pas. Ah, elle est plus petite. Oh, puis il y a une tasse avec. Une tasse en ananas. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Et c'est qui? Lucille. Ma petite Lucille, j'ai eu ton cadeau, merci beaucoup. Moi, je te fais des gros bisous. Ensuite, c'est quoi ça? Ça a l'air trop beau. Ça va? T'as pas trop vidé le rouleau? Oui, le Graal. Le Graal. Il est là. J'ai juste mis 10 minutes à l'ouvrir. Merci beaucoup. Oh, mais non, c'est pas une carafe. Oh, mais c'est super beau. C'est magnifique, j'ai oublié là, tu vois j'ai oublié ce que t'as fait, ça y est c'est fini. C'est trop beau. Regardez c'est un ananas, en fait c'est une tasse. C'est canon, c'est canon, c'est qui est-ce qui m'a offert ça? Sec Fatou, gros bisous ma belle, merci beaucoup. T'es adorable, c'est trop beau, j'adore. Franchement elle est trop belle la tasse. Pour Sana, gros bisous Léa. Alors ça franchement, ça c'est de la bebon. Elle m'a fait un ananas, genre sananas avec un rouge à lèvres et sananas family. Alors là, franchement, t'es adorable. Gros bisous, Léa. Je te fais des gros bisous, Léa. Je te remercie pas pour les harlequins, hein. Moi. Je vais vraiment l'utiliser, hein. Du coup, j'espère que si je mets ça au lave-vaisselle, ça va pas partir. Ou je vais peut-être la laisser en déco, du coup. De peur que ça s'efface. Heather! C'est une bougie ça. Rirance, amourance, joyance, Heather. Sananas. C'est trop mignon. Ça sent trop bon. Ça me rappelle une bougie de chez Soul City qui sent un peu le propre, le frais. Et ça vient de chez Primark. Ça sent trop bon.
Tu me connais trop. Franchement, vous me connaissez vraiment trop. Je le dis et je le redis, mais c'est parce que plus ça va en fait, et plus ça me choque. Ensuite, à ouvrir lors de ta vidéo ouverture. Love you, Mélissa. La phrase pas du tout française, la gênance. Punaise, mais même quand vous parlez, on dirait moi. On parle de la même façon, c'est un truc de fou. Oh, mais qu'est-ce que t'as mis? Mélissa, je vais me fâcher. Non, en plus, tu m'as mis des produits de luxe, quoi. Oh, vous êtes mignonne, mais faites pas ça. T'es un amour. Elle m'a mis un masque pour les yeux de chez Sephora. Il y a une encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Elle a mis un gloss de chez Givenchy. Il est trop beau. Un autre gloss by I Love Moi. Je connais pas du tout cette marque. Elle a mis un crayon pour les yeux. Et elle a mis un vernis à ongles de chez Yves Saint Laurent. Qui est juste trop beau. Il est noir avec des paillettes. Franchement, vous me gênez énormément. Vraiment. Donc, merci beaucoup ma petite Mélissa. Je t'embrasse très très fort. Mais vraiment, pour les prochaines fois, les prochains meet-up, vous... Je me répète et je suis chiante, mais je le pense sincèrement, quoi. Venez les mains vides, juste avec une babiole. Mais merci, franchement. Des harlequins. Clara dit Bieber, Hubert Parada. Meetup Brevlon avec maman, Clara. Clara, t'es une ouf. T'es une ouf. C'est devenu mon t-shirt préféré, là. T'es une ouf. Je t'aime, il est trop beau, Squad Goal. Ah non, franchement... Il y a un autre gel douche cottage, mais j'ai pas de nom. J'ai pas de nom dessus, c'est un petit peu tristouné là. Et c'est quoi ça? Plaisir d'offrir. Sincèrement, heureusement que je suis une fille un petit peu forte et que des fois j'arrive à me retenir de manger des sucreries. Parce que franchement, si j'avais tout mangé de ce que vous m'aviez offert, je serais à 20 ou 30 kilos de plus. Facile. Des Toblerone, franchement. Ah non, ça je vais pas pouvoir résister quoi. Ensuite, j'ai un petit gel douche avec un... Avec un mascara, donc c'est le Yves Rocher, le même que tout à l'heure. Et attends, j'ouvre la lettre pour au moins te faire un petit bisou. Je t'aime Sana, s'il te plaît, ne juge pas mon ananas. J'espère que ce cadeau te fera plaisir, Snapchat Family. Hubert Radin, on se retrouve. Vidéo spéciale, ne change pas ma poulette. Pour les complexes que tu as fait disparaître, pour toutes ces petites expressions Snapfam que seuls nous comprenons. J'espère que tu as galéré avec l'emballage. Ouais, en plus, j'ai un peu coupé avec mes dents et j'ai de la colle du scotch sur la dent. Donc, t'inquiète pas, j'ai galéré, ça a bien marché. T'es contente? Ah, Lorraine. Ah, elle m'a mis son numéro. Moi, je te fais des gros bisous, Lorraine. Merci beaucoup. Ah, Kousmiti. Ça doit être avec celui de tout à l'heure, de Clara, ça. Ensuite, on a un petit sac cloche avec des boules de bain à l'intérieur. Ça sent trop bon. Et ça, c'est qui? Cyrine, je te fais des gros bisous ma petite Cyrine. J'ai bien eu ta lettre, j'ai bien eu tes petits cadeaux. C'est quoi ça? C'est un savon on dirait. Savon à l'argane parfumé au cèdre. Ça sent bon. Merci beaucoup ma petite Cyrine, je t'embrasse fort. Ensuite, on a un autre paquet. Je vais vous tuer. Il y a encore des harlequins. En plus c'est un maxi format j'allais dire, mais il est gros le paquet. Il est énorme ça. Il n'y a pas de nom. En plus c'est un petit rouge à lèvres. Ah si, Hubert Radin, Team Snap. Comment qu'est-ce que je ferais sans vous, ma petite snap femme? Vous êtes spéciaux, vraiment. Mélodie, je te fais des bisous, merci beaucoup. Et le petit dernier pour la fin de cette deuxième partie, je crois qu'il va y en avoir une troisième. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est une petite bougie de la part de Candice, donc c'est un ananas rose. Candice, c'est la seule à me l'avoir offert en rose, c'était trop mignonne. En tout cas, je tenais juste à vous remercier encore une fois parce que je vous remercie à chaque fin de vidéo. Mais en fait, je sais juste pas quoi vous dire quoi. Je sais juste pas quoi vous dire. Merci d'être vous, merci. Merci d'être là pour moi. Sachez que je ne changerai pas, que j'espère que cette proximité qu'on a, cette folie qu'on a entre nous, cet amour, cette amitié en fait qu'on a entre nous ne s'arrêtera jamais et que ça changera jamais et que je vous aime. Franchement, je vous aime fort. Je vous fais des gros bisous. Il fait du vélo lithique. Je vous fais des gros bisous. Mouah.